Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne des Jeux du Cygne. Ce jeu, ce sera Trifox, un jeu platformer 3D développé par Glowfish Interactive et édité par Big Sugar, que nous remercions de nous avoir donné la clé afin que nous puissions vous proposer ce jeu qui est disponible sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, GOG, Steam, c'est la fête à la maison. Le jeu est disponible à 19,99€. Vous avez des démos gratuites de disponibles également si vous voulez tester ce jeu qui date du 14 octobre 2022. Nous sommes très bien. Nous allons pouvoir commencer. Le jeu est en français, jouable à la manette et en solo. C'est parti. Faisons un nouveau jeu, une nouvelle partie tout de suite. Le téléporteur de la salle de l'attirail. Très bien. Vous mène au dojo. Intéressant. Ce jeu n'a pas du tout de visée humoristique, évidemment. Alors, vous connaissez, je l'ai toujours dit, je suis très fort aux jeux de plateforme, c'est mon, les jeux que je déteste le plus. Voilà, alors, on peut se déplacer, très bien, on peut sauter, ok. Ok. Déplacement grâce au joystick gauche, bravo, déplacez-vous, très bien. La visée, contrôlez la visée avec votre joystick droit. Lorsque vous ne visez pas, vous êtes toujours orienté vers la direction de votre déplacement. D'accord. Ah oui, d'accord. On peut donc... sauter en appuyant sur A. D'accord. Et A plus A, le double saut. Très bien. Quel talent. Oh non ! Ils ont fermé la porte. Comment on va faire ? Au secours ! Appuyez sur X pour interagir. Ok. Lorsque vous tenez en face d'un objet à portée, ses contours s'illuminent. D'accord. Allez, carrément. Oui, ça s'illumine comme ça. Ok. Quel talent, j'ai réussi à ouvrir une porte. Oh. Non. Allez. Attribut de déplacement. Affectez un attribut de déplacement en vous tenant sur la dalle de votre choix et en appuyant sur attribut. Chaque attribut est associé à un différent style de jeu. Guerrier corps à corps, mage, distance et gestion de la foule, ingénieur technologie. Une fois l'affectation effectuée, appuyez sur B pour utiliser l'attribut. Remarque, vous ne pouvez pas utiliser les capacités et les attributs lorsque vous tenez sur la dalle. Alors...
Est-ce qu'on est... Donc ça, c'est le mage, ça, c'est l'ingénieur, et ça, c'est le guerrier. Oh, on va jouer mage, nous. Est-ce qu'on peut changer de classe? Alors. Oh, je peux me téléporter. D'accord. Alors, est-ce que je peux changer de classe? Oui. D'accord, un dash, d'accord. Et lui, c'est quoi? Son attribut de déplacement? Ah! Le vol. Ah! Non, dommage. Oh, quel talent. Il y a quoi? Des pièces. Mais je veux ramasser les pièces. Alors. Ah. Ah mince, j'ai perdu de la vie. Ah non. Je peux pas aller là. Comment je fais pour aller là? Là, comme ça. Ici, hop. Quel talent. Ramasser quelques ne fait jamais de mal. D'accord. Voilà. Et là, je peux pas y aller. D'accord. J'ai demandé à sauter. Alors, vous pouvez saisir les objets grâce à X et triangle pour les lancer. D'accord. Pendant la saisie, vous pouvez toujours interagir avec certains objets. D'accord. Non, c'est pas ça. Donc, voilà. Donc là, je pourrais le jeter. D'accord. Il faut mettre des piles. Voilà. RT, RB, LT, LB. Hmm. Ça ne fait rien. Ah, mais je peux sauter là, d'accord. Je peux sauter sur... Oh, pardon. RT, RB... Ah oui, c'est pour les attaques. D'accord. Capacité. Vous pouvez acter des capacités. Tenez-vous sur la dalle. Capacité 1, 2, 3, 4. Ok. Donc RT. RT, c'est en haut ou c'est en bas sur les manettes? RT, c'est en haut. D'accord. C'est compliqué. Alors. RB. Ah non, d'accord. Je... D'accord. Ah bah voilà. Ah ah ah. Oh merde. Il y a des ennemis. C'est quoi ces petites boules rouges? Je ne sais pas. C'est de la vie. On a découvert le coffre. Oh, des coffres. Des coffres partout. Je veux les coffres. Ah, mais je suis pas obligé de... Je peux rester appuyé comme un chacal. D'accord. D'accord. Pourquoi ça va là-bas? Ok. L'argent, ça va certainement nous servir à acheter des choses. Je pense. Ok. Oui, je suis riche. Non! Non, ma pièce! Ma pièce! Donnez-moi de l'argent. La YouTube monnaie. Voilà, en avant. Moi je casse tout, mais... Je récupère l'argent. Ah mais j'ai envie de changer de classe maintenant. Tester les autres attaques. Merde. Ça fait un choix. Et venez vous battre. Ah. Le talent. D'accord. Donc, on a fait des choix. Très bien. Hein?
Alors, si ça vous rappelle Crash Bandicoot, c'est normal. Hein, c'est tout à fait normal. On va casser cette caisse, oui. Ne le casse pas. Mon argent, merci. T'as des choses à casser ? Moi je veux de l'argent. Alors c'est quoi ça ? La zone de sauvegarde ça, non ? Je peux pas interagir avec ces objets. Ah. Ok. Est-ce que je peux interagir avec la télé ? Non. Et là il y a de l'argent. Ok. J'avais vu une pile. Où est la pile ? J'ai pas eu une pile ? Voilà, j'ai eu une pile. Hop. Oui. Finaise, alors, s'il y a des achats de perso à faire... Alors, temps de jeu. Attends. Je vais voir les stats. Les lire hein. Temps de jeu total, ok. Nombre total de pièces collectées. Valeur totale des pièces collectées. Achèvement 1%. D'accord. Et là, ça s'est activé ça? Non. Toujours pas. Ok. Peut-être qu'il faut aller acheter des compétences. Allez. Salle de l'attirail. Bienvenue dans la salle de l'attirail. Ici, vous pouvez acheter de nouvelles capacités. Ah. Holo. Débloquez les nouvelles capacités. Vous avez trouvé votre bonheur. Pour acheter une capacité, tenez-vous sur la dalle de votre choix et maintenez X. Enfoncé pour dépenser votre argent durement gagné. S'équiper des capacités. Oui, ça on sait. D'accord. Ah oui, donc ça, c'est pour avoir d'autres sorts. S'équiper d'attributs. Les attributs se trouvent sur les segments intérieurs de la salle de l'attirail. Vous pouvez vous équiper d'un attribut, tenez-vous sur la dalle de votre choix. Ah oui. Je peux devenir un guerrier pour 250 balles ou un... D'accord. Donc là, si je fais ça... J'ai claqué mon argent pour devenir... Et donc je peux devenir un ingénieur maintenant. C'est ça? Oh mais oui. Mais je... Ah. D'accord. Donc je peux voler et faire de la magie. Oh. Oh d'accord. D'accord. Une mitrailleuse pour 1000 balles. Je n'ai pas l'argent. C'est d'accord. On me dit... Économise ton argent pour avoir une tourelle lance-flamme. C'est d'accord. C'est d'accord, mon ami. Je vais aller chercher une tourelle lance-flamme. Ok. Donc. Ah, il y a 4 niveaux. Déverrouillage disponible. C'est quoi ça? Ah oui, d'accord. On peut retourner quand on veut acheter des objets. Alors, Shore Island. Ok. C'est parti. C'est parti, mon kiki. Bon, évidemment, hein, on va s'amuser un petit peu avec le jeu. Le jeu est beau. Hein. Oh bordel, ça commence, il y a de l'eau. Alors. Non mais déjà, de l'argent. J'ai plus que 10 balles. Mon argent. On m'a volé mon argent. Oublie pas que t'as un double saut. Oublie pas que t'as un double saut. Ya, meurs, traître. Faut combien de petites boules pour gagner un PV? Je ne sais pas.
Non mais moi je veux la mitrailleuse ou la tourelle lance-flamme. Hein. Ça c'est sûr. Non, c'est un décor. En avant. Ah, on peut pas les attaquer, d'accord. C'est qui lui ? Il meurt ! Non mais c'est les mêmes sons quoi. On a même les mêmes bruits que dans Crash Bandicoot quoi. Mais quel con ! Pardon. Wouhou ! Ça, c'était du sauvetage in extremis, ou je ne m'y connais pas. Bien ! Une gemme. Je ne sais pas ce que ça fait, mais on a une gemme. Alors. Il y a des saligots devant nous. Non mais ça c'est de l'argent en fait. Les rouges c'est de l'argent, d'accord. C'est ça les potions de soins. Voilà. Tu crois que je t'avais pas vu la pièce? Mais si, je t'ai vu. C'est ça? C'est bien ça. Oh, on peut le casser. Ah, ok. Quel talent! Ah, le jeu est beau, hein. Ouais, ça y est, moi j'aime bien. Voilà, est-ce qu'il va réussir à me consoler dans les jeux de plateforme? Oh là là là! Jackie. C'est bien gentil, mon petit Jackie, mais tu vas mourir. Quel talent! Ah, j'ai joué à Dark Souls. Hein. Ouais. Ce qui est marrant, c'est de voir que c'est le platforming qui va plus me tuer qu'autre chose. Oh bordel. J'ai peur. J'ai peur de l'énigme. Non mais... Il me faut de l'argent. Il me faut la tourelle lance-flamme. Vous le savez. Allez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah d'accord. Mais ça, je peux pas le bouger. Hey. D'accord. Mais... Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette tête? Allez! Merci la 3D.
Ça y est, il est bloqué à la première énigme du jeu. Ah. D'accord. J'ai compris. Ouais, la manette vibre. Je ne sais pas. Mais j'ai la manette qui vibre. Bon. Ça va être galère. Je vous ai dit, hein, les jeux de plateforme, c'est pas mon truc. Hein. Je sors de ma zone de confort pour vous. J'aime pas ça, les jeux de plateforme. Pour des raisons très simples. C'est que je ne peux pas apprécier les distances, voilà. Déjà que... Au naturel, je ne peux pas. Alors, sur les jeux vidéo, c'est encore pire. Les niveaux ont l'air assez... Ouah ! Quel droit tu m'attaques ? Saligo. Ah oui, d'accord, c'est une jauge de vie. Ah, il m'a pas fait bien mal. Je joue en normal, hein, pour ceux qui se poseraient la question. D'accord. Ah, il faut aller chercher l'autre. Donc peut-être quand il est à 3. Là, on retourne sur celui-là. D'accord. Facile. C'est les premières énigmes. Hein. Voilà. Calmons-nous. Calmons-nous. C'est bien, il y a un petit peu d'action, un petit peu d'exploration, un petit peu d'énigmes. Est-ce qu'il faut les 4 gemmes pour gagner le niveau ? En tout cas, on n'aurait pas pu revenir, donc j'ai bien fait de faire cette énigme. J'ai vu l'ennemi. Hein. Mais j'ai de l'argent à récupérer. Bon, oh, ah, c'est vrai, ils sont... Ah, c'est vrai qu'ils se mettent en petit après. Mon argent, il va disparaître. Je suis sûr que l'argent disparaît. Ça doit être ce genre de jeu. Ok. D'accord. Le boss. Ok. Voilà, il y a un grenadier. Tuons-le. On les. Aïe. C'est mal. L'argent.
Bon, c'était des soins. Ok, tué. Ah, le chien. Ah, j'ai un petit canoë. Ah, mais attends. Il y a encore des trucs à ramasser. Regarde. De la santé, de l'argent. Toujours plus d'argent. Oh ! Mais il me manque de gemmes. J'étais où ? Bah merde ! Donc il y a des zones cachées dans le jeu. D'accord. Ah bah merde, j'étais où ? 2000 balles, yes. J'ai eu la 2 et la 4. Mais là, on l'a eu tout de suite. Excellent. Ok. Non mais attendez. On a de l'argent. J'ai de l'argent. Donc une tourelle lance-flammes. Une mitrailleuse. Ça, ça fait quoi? Une boule de caca. D'accord. Quoi? Attends. C'était quoi le truc du rayon laser? J'ai eu un gros rayon laser. J'ai dû fumer. Non mais... Ok, le niveau 3, on a le droit à quoi? D'accord, une mine. Un lance-roquette. Et un mur. Ah, ça combiné avec le pouvoir du mage. Non mais attendez, on va partir en techno. Donc attends. Là, je vais plutôt mettre ça là. D'accord, il n'y a pas l'air d'avoir de temps de rechargement. Alors, question... Ah, par contre, on peut pas faire les deux sorts en même temps, d'accord. D'accord. Alors, ah, mais ça c'est pour s'entraîner, d'accord. C'est pas beaucoup de dégâts, mais... On peut mettre combien? Ah bon, on peut mettre autant qu'on veut. Ah non, c'est 3 max. D'accord. Ah, on peut pas attaquer quand on vole. D'accord. Ok. Écoutez, moi je pense que... Ah non mais il y a des... D'accord, il y a des stats. Ah non, il n'y a pas de stats. On va débloquer le guerrier également. Pour voir un peu ses attaques. Une hache. Alors c'est peut-être un marteau. Mais écoute,
écoutez, moi je pense que c'est bien assez pour une découverte. Le jeu a l'air fort sympathique. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.